Ça va? Tu es Nancy. C'est ta femme? Où elle est? Viens Nancy. Je vais vous donner deux paroles. Mais avant de vous donner les deux paroles, qui est-ce que tu appelles Dédé affectueusement? C'est ta fille? Tu l'appelles Dédé? Elle est là? Amenez Eden. Ça va Dédé? Cet enfant que tu vois, c'est un enfant qui a une grande destinée prophétique. Des oracles vont sortir de sa bouche. Dieu va parler, utiliser cet enfant. Retiens ce que je dis avec des miracles de guérison et une intelligence hors pair. Vous veillez sur cet enfant. Merci pour ta grâce, tu t'aider. Au nom de Jésus. Amen. Je vois qu'au niveau de ta famille, je vois que ta percée a été comme la percée de Pérez. Ils ne t'ont pas vu venir dans ta famille et tu as paru pour te retrouver là où tu es. Et là-bas, je vois une femme qui fait une réclamation contre ton foyer pour que le foyer là se brise. Et il fut un temps où vous êtes passé par des pressions internes, difficiles, où vous êtes beaucoup pris la tête. C'est comme ça on dit ici, non? Ce que je dis est faux ou c'est vrai? Mais ça vient du pays. Dieu m'a dit de briser cela. Et j'ai vu aussi que lui, il a des difficultés financières. Ce que je dis est vrai? Dès que tu essaies de... Il y a des choses que tu attends, mais même quand ça vient, ce n'est pas comme tu les attends. Et c'est difficile. Dieu me dit de prier pour vous. Et il y a une grâce qui va venir sur vous. Levez vos mains. Alors, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Je brise cette réclamation depuis le pays. J'annule tout ce que l'ennemi a planifié. Je relâche ta grâce. Je relâche ta faveur. Je relâche ton onction. Aidez-les. Il y a quelque chose de fort qui tombe sur. Aidez-les. Le nom Marthe sonne dans mon esprit. Ok. Non, vous pouvez vous lever. Dieu va me donner la précision de qui c'est. Arrêtez-vous. Chacune a sa place. La personne que je vois, la Marthe que je vois dans mon esprit, elle a un appel dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Elle sert l'œuvre de Dieu. Vous servez Dieu toutes les deux. Je vois dans le règne de l'esprit qu'elle est appelée Tabitha. C'est vous. Mon prophète, cette femme-là aime beaucoup ton ministère. Je vois qu'elle fait partie des anciennes. Son mari et elle. Je vois que son mari même, il occupe une bonne position dans l'église. Je ne sais pas s'il est dans le conseil ou quelque chose, mais je sais qu'il est dans le conseil. Il est où? Il est absent. Mais tu sais pourquoi Dieu t'a soulevé? Le temps de ta bénédiction est arrivé. Amen. Et c'est en ce moment-là que le diable, il lutte pour essayer de te faire comprendre que depuis que tu sers et que tu as la tâche, regarde telle chose ne se fait pas. Tu es suffisamment formé, tu peux commencer tant. N'écoute pas cette voix. Le temps de ta bénédiction est déjà arrivé. Où Dieu a vu tout ce que tu as investi. Où Dieu va te visiter de façon extraordinaire. Donc n'écoute pas cette voix-là. Tu comprends? N'écoute pas cette voix. Tu as compris? Le Seigneur est sur le point de te bénir. Tu étends ta main sur cette femme. Tu commences maintenant. Tu te manifestes maintenant. Tu te glorifies maintenant. Tu fais au-delà de ce que nous pensons et attendons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon fils, la femme que tu vois, elle a un double manteau sur elle. Elle a le manteau de chef de service éducatif, social, tout ça, aider les personnes démunies et tout ça. Mais elle a un manteau également pour l'appel, pour prêcher l'évangile. Je la vois en train de prêcher, enlever ses talons et sauter sur l'estrade, en train de prêcher avec force et puissance dans sa formation. Ne passe pas à côté de cela. Dieu va guérir des malades par les mains de cette femme. Dieu va faire des choses extraordinaires par les mains de cette femme. Ce qu'elle a comme service social, tout ça, c'est bon. Mais je vois le manteau de Dieu sur elle. Je vois cela tomber 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 sur elle. Dieu le fait. Tu as dit amen, bien, Dieu le fait. C'est qui? Monique. Venez, Monique. Comment tu t'appelles? Kofi Monique. Ça va? Dieu m'envoie prier pour toi. Mais ce n'est pas à cause de toi que Dieu a donné ton nom. Dieu a donné ton nom à cause de... My God, quelle onction de Dieu déjà sur elle. Dieu a donné ton nom à cause d'Aurélie. C'est à cause d'Aurélie que Dieu a donné ton nom. Qui est Aurélie? Elle dit qui? C'est sa fille. Elle est où Aurélie? Elle est à Abidjan. J'ai vu dans le spirituel un portail qu'on a mis devant Aurélie pour l'empêcher de faire venir Aurélie ici. Et puis pour gâter Aurélie au milieu d'une compagnie qui n'est pas bonne, de mauvaise compagnie. Dieu m'a dit prie pour cette femme. Mais prie pour Aurélie. C'est une femme qui a un très bon cœur. Mais le diable a mis un esprit de méchanceté contre elle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle, à son tour, elle aide les hommes. Mais elle est mal récompensée. Au moment de lui faire du bien à elle,
elle ne reçoit pas comme elle investit dans la vie des autres. Et Dieu va restaurer cela aujourd'hui. Par l'onction du Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus de Nazareth, ton étoile brille à nouveau. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de partout, les gens accourent pour te faire du bien. Et les blocages, tout ce qu'on a mis sur le chemin d'Aurélie, cela est détruit. Par la puissance du Saint-Esprit, les portes sont ouvertes pour qu'Aurélie arrive. Elle ne sera pas un enfant gâté, elle ne passera pas à côté de sa destinée. Elle réussira. Elle réussira. Que Dieu la garde, que Dieu la préserve et que Dieu accomplisse comme il me l'a montré. Au nom de Jésus. Amen. Mon petit, lève-toi. Arrête-toi là. Cet enfant, c'est un enfant de destinée. C'est un enfant qui est venu comme une surprise. Mais la chose pour laquelle je l'ai fait lever, c'est au niveau de son étoile. C'est que chaque fois qu'on oriente sa destinée quelque part, il y a comme une embrouille au niveau de son étoile. Les choses s'embrouillent. Donc finalement, il n'est nulle part. Et les vraies choses qu'il doit faire, il ne rentre pas dedans. J'ai vu une embrouille au niveau, comme un brouillard au niveau de son étoile. Il faut nettoyer son étoile pour que ça connaisse l'éclat que ça doit connaître. Tu as dit amen. Toute main obscure, tu caches ton étoile, tu brouilles ton étoile, tu lâches. Nom de Jésus, pose-le tout doucement. Je restaure ton étoile. Je déclare au nom de Jésus que ton étoile est nettoyée. Tu vois à nouveau. Amen. Maman, ça va, c'est votre fils. J'ai vu un mal là-bas. La famille de son papa, qui dans le spirituel était en train de venir sur lui. Le mal se fait là au niveau de la poitrine. Problème de respiration, de soufflement, là. Et Dieu m'a dit, prie pour la poitrine de cet enfant. Et ça vient du côté du père. Pendant que je priais pour l'autre enfant, j'ai vu ça au niveau de sa poitrine. C'est pourquoi je l'ai appelé. Approche, viens. Ça va, tout va bien? Ok, bien. Ferme les yeux. J'ordonne que ce mal qui a été envoyé depuis la maison de son père libère sa poitrine. Libère sa poitrine. Lâche! Au nom de Jésus, pose-le. Je déclare dans la puissance du nom de Jésus que ce mal n'arrive point jusqu'à cet enfant. Qu'il soit libre au nom de Jésus. Amen. Une femme est ici. Il y a quelque chose qui bat dans ton ventre. Ça respire dans ton ventre. Comme quelque chose qui respire dans le ventre. Tu sens un battement à l'intérieur. Ce n'est pas tout le temps, mais ça se fait et ça s'en va. Maman, dans le passé de ta vie, tu as eu affaire à un mari de nuit. Tu n'as jamais eu ça. J'ai vu comme un mari de nuit qui t'avait visité et qui a laissé une semence dans ton ventre. Laquelle semence a pour rôle de te créer des problèmes de myomes et de fibromes? Tu as des fibromes. Voilà. Mais c'est l'origine que je te donne. C'est la semence d'un mari de nuit. Et ce mari de nuit n'était pas un mari de nuit ordinaire. C'est un sorcier qui a pris l'image d'un mari de nuit pour faire ça, pour te créer des problèmes, pour que tu passes sur des tables d'opération. Tu as refusé l'opération. D'accord. Et tu en as combien? C'est un peu partout. Viens là. Je peux avoir de l'eau. Même si on t'opérait, ça allait repousser. Ça allait revenir. Par l'autorité puissante du nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit la main obscure. J'ai détruit les œuvres de l'ennemi. Je paralyse la main de l'ennemi. Nom de Jésus de Nazareth. Et je prie sur ces bouteilles d'eau. Laisse-moi les toucher. Tu vas ouvrir une et tu vas boire. Approche-toi ici. Un miracle dans ton sein. Pose-la. Laisse-la. Pose-la. Et quelqu'un est ici. Il n'y a pas longtemps. Ça s'est passé entre le mois dernier et ce mois. Tu t'es battu en rêve avec quelqu'un, mais tu n'as pas vu la personne. Vous êtes battu en rêve. Comme un combat que tu as livré en rêve. C'est toi? Viens vers moi. Ça s'est passé la nuit ou la journée, au petit matin, et tu n'as pas vu le visage de la personne. Mais la bataille que tu as vue en rêve, c'était pour venir te voler une bénédiction qui était sur le point d'arriver. Quelque chose pour quoi tu pries beaucoup actuellement. Je déclare que cette bénédiction qu'ils étaient venus voler en te commentant en rêve, je brise leur force, je brise leur pouvoir, je casse leur pouvoir. Pose-la. Par l'autorité puissante du nom de Jésus, pose-la. Reçois libération, reçois victoire, reçois délivrance au nom de Jésus. On peut acclamer Dieu. Genèse, le chapitre 38, le verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Quand elle fut au moment d'accoucher. Quand elle fut au moment d'accoucher. Voici. Voici. Il y avait deux jumeaux dans son ventre. Il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement. Et pendant l'accouchement. Il y en eut oui. Un qui présenta la main. Il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit.
La sage-femme l'a pris la main, oui. Oui, l'a pris et y attacha un fil cramoisi. Et y attacha un fil cramoisi. En disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main. Et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, Quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérès. Amen. Dis à quelqu'un, ma condition n'est pas ma conclusion. Dis à ton voisin, ne conclue pas vite ma vie. Vous savez, la vie est comme un livre. Ne lis pas la page d'un livre pour conclure l'histoire du livre. Alléluia. Alors, ce texte qu'on a lu parle d'un homme appelé Judas. Judas avait la promesse de Dieu. Laquelle promesse disait en Genèse 49 que le sceptre royal, la royauté, la domination ne s'éloignera pas de Judas. Les rois, les grands, les puissants devaient sortir de Judas. Jésus lui-même est appelé le lion de la tribu de Judas parce que sortant de la tribu de Judas. Donc c'est l'ancêtre Judas. Judas est le quatrième fils de Jacob. Parce qu'il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi et il y a enfin Judas. Alors ce Judas-là, la Bible dit, il s'est trouvé à prendre une femme et le nom de cette femme est Choua. Choua signifie dépression. Choua signifie également folie. C'est le nom de la femme qu'il a prise. Donc peut-être qu'à un moment donné, cette femme était tellement dépressive vis-à-vis de lui et lui faisait des scènes de folie. Notre texte nous dit qu'il s'est habitué aux prostituées. Et un jour en passant, il a vu une prostituée et il s'est arrêté là. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne que ce qui t'arrête dans ta vie, là où tu tombes, des personnes sont passées là sans arrêter. Il faut que tu aies la force de contrôler tes émotions et de dominer sur tes sentiments. Des gens sont passés là sans arrêter. Judas est arrivé là et il s'est arrêté. Et il a dragué cette femme du nom de Tamar. Et il est allé avec Tamar. Mais bien avant qu'il n'aille avec Tamar, cette même Tamar était mariée au premier fils de Judas qui s'appelait Er. Et la Bible dit que Er était méchant et l'Éternel a tué Er. Que Dieu tue les méchants de ta vie. Ensuite, il y a eu un deuxième enfant. Et la Bible dit celui-là, lui, il n'était pas méchant, mais il refusait de donner sa semence à Tamar. Donc, il profitait du corps de Tamar, mais il refusait de donner sa semence à Tamar. C'est l'image des hommes qui profitent de votre vie et qui en retour ne vous donnent rien. La Bible dit, Dieu a également disqualifié Er. Et il restait le tout petit qui s'appelait Shéla. Et donc, Judas a promis Shéla à Tamar. Tamar est alors partie attendant que Shéla grandisse. C'est alors qu'elle a appris que Shéla étant devenu grand, Judas a donné en mariage Shéla à une autre femme. Alors Tamar s'est déguisée en prostituée et elle s'est mise sur le chemin. C'est là que Judas est tombé avec elle. Et Judas voulait donner l'argent à Tamar. Faites attention aux femmes comme Tamar. Parce que la Bible dit à cette époque, à toutes les prostituées on donnait un chevreau. Mais lorsqu'il s'est agi de Tamar, Tamar a refusé le chevreau. Elle a exigé trois choses de Judas. Son cachet, son bâton et son cordon. Et Judas lui a donné ces trois choses. Le cachet, c'est le sceau, c'est l'autorité. Une lettre sans cachet, on ne sait pas de qui ça vient. Donc il a donné son autorité. Le cordon, c'est son alliance. C'est ce qu'on prend pour t'attacher. Il a donné son alliance. Et le bâton, c'est la royauté. Parce que Dieu a dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas. Il a effectivement donné sa royauté. C'est pourquoi personne n'a compris pourquoi le premier roi d'Israël n'était pas de Judas, mais de Benjamin. C'est parce que Judas avait donné son bâton de royauté à Tamar que le premier roi qui est sorti de la tribu de Benjamin. Alors, quand cette histoire est arrivée, ils se sont séparés. La Bible dit, Judas est revenu à l'endroit et il n'a plus trouvé Tamar là. Et plus tard, il a appris que Tamar était enceinte. Alors il a fait prévaloir la loi qui dit que Tamar a commis l'adultère puisqu'elle était promise à son fils. Regardez la malhonnêteté de Judas. Il a dit à Marie le fils. Donc il exige que Tamar soit lapidée pour adultère. Et au moment où
on veut lapider Tamar. Tamar leur dit, l'homme à qui appartiennent ces objets, le bâton, le cordon et le cachet, est le père de mon enfant. Ne me lapidez pas sans également que lui, il en paye le prix. Et quand Judas a vu les éléments qui lui appartiennent, il a dit, on ne peut pas lapider Tamar parce que je suis plus coupable qu'elle. Je me dis à quelqu'un ce matin, si tu portes quelque chose de Dieu en toi, il sera difficile qu'on te lapide ou qu'on achève ta destinée. Tiens-toi pour responsable de porter Dieu en toi. Personne ne pourra t'arrêter. Tamar tenait quelque chose de Judas et il était impossible qu'on la lapide. Alors arrive maintenant le jour de l'accouchement. C'est là que mon message commence. Et quand Tamar est en travail, la Bible dit qu'il y avait des jumeaux en elle et quelque chose va se passer. Au moment de l'accouchement, une main va sortir et la main de l'enfant qui est sorti, plus tard on verra que cet enfant va s'appeler Zéra. Donc c'est la main de Zéra qui est sortie. Et quand la main de Zéra est sortie, la sage-femme qui est une femme professionnelle, qui a l'habitude des accouchements, était surprise du fait. Elle a vu la main de Zéra et elle a pris un cordon rouge. Elle a attaché ça autour du bras de Zéra pour dire c'est lui le premier. Mais la Bible dit à un moment donné, Zéra s'est fatigué et il a rétracté sa main. En ce moment précis, la tête d'un autre est sortie. Lui, il s'appelait Pérez. Et puisque on sort par la tête, il a été le premier à naître. La sage-femme avait déjà conclu que Zérak était le premier. Mais au moment où on s'y attendait moins, Pérez est sorti. Et c'est Pérez qui est devenu le premier. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, ne conclue pas ma vie. Écoutez-moi maintenant, excellent enfant de Dieu. Zérak signifie briller tôt. Zérak signifie éclater tôt. Donc Zérak, c'est l'image de ceux qui brillent tôt dans la vie. C'est l'image de ceux qui s'élèvent tôt dans la vie. C'est l'image de ceux qui sont vite élevés. C'est l'image de ceux qui règnent vite. Zérak peut commencer à régner. Et tu peux avoir l'impression que tu es en retard. Mais ma Bible dit à un moment donné, la main de Zérak va se rétracter. Et Pérez va sortir. Pérez signifie ouverture. Pérez signifie percée. Pérez signifie occasion. Et je vois dans mon esprit que Dieu va créer une percée et quelqu'un qu'on n'attendait pas va apparaître, quelqu'un qu'on n'attendait pas va faire son entrée, quelqu'un qu'on n'attendait pas va sortir. Écoutez, Jésus a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je donne un exemple tout simple. Pouvez vous lever tous les trois s'il vous plaît. Alors, regardez dans la direction de là-bas. Qui est le premier? Le monsieur. Qui est le deuxième? Et la dame, elle est, dans notre jargon, on dit elle est la dernière. C'est ça? Si elle veut passer, celui qui est devant va l'empêcher parce qu'il ne veut pas qu'on le dépasse. Si lui aussi veut passer, le premier également va l'empêcher parce qu'il ne veut pas qu'on le dépasse. À quel moment donc les derniers deviennent les premiers? Retournez-vous. En un clin d'œil, la position peut changer. En un clin d'œil, le dernier peut devenir premier. C'est ce qui s'est passé entre Zérak et Pérez. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez personne conclure votre vie. Ne laissez personne vous dire que c'est fini. Dieu m'a envoyé et il m'a donné ce message. Parce que beaucoup passent par des situations et ils sont en train d'apporter une conclusion à leur vie. Écoutez-moi bien. La sage-femme avait conclu. Mais personne ne peut conclure ta destinée. Et au moment où on s'y attendait, Pérez est sorti. Là où on avait déjà déclaré que Zérak était le premier. La même chose s'est passée dans la vie de Mephibosheth. Appelé à la royauté, appelé à être grand, appelé à régner, il s'est retrouvé à l'eau de bar. Et pendant qu'il était à l'eau de bar, derrière les épines, les voisins de l'eau de bar pensaient qu'ils étaient pareils. Vous savez, on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Et Mephibosheth a quitté l'eau de bar pour se trouver au palais royal. La même chose a été faite dans la vie de Jephté. Ses frères l'ont chassé et ils se sont dit c'est fini pour lui. Mais Dieu l'a pris de là où on l'a chassé. Et Dieu est venu l'établir chef de ses frères et de toute la ville. La même chose s'est passée également pour un cadavre dont on parle dans le livre des rois. On dit que cet homme était mort et les gens ont décidé d'aller l'enterrer parce que sa vie était fini pour plusieurs. Mais quand ils sont arrivés, la Bible dit que les Madianites ont commencé à faire leur entrée dans la ville. Et à la vue des Madianites, ils l'ont jeté. Dit jeter. Les gens peuvent te jeter. Le plus important, c'est pas quand on te jette. C'est où tu tombes quand on te jette. Ah! Le malheur de tes ennemis, c'est qu'en te jetant, tu es tombé à l'église. Tu es tombé entre les mains de Jésus. Tu es tombé au centre de l'unité de Paris. Ça dépend de où tu tombes lorsqu'on te
jette. La Bible dit, ils l'ont jeté. Et cet homme est allé toucher les os d'Élisée. Ça m'a semblé bizarre. Ça veut dire que pour que ce miracle se fasse, le cercueil du monsieur, les gens ont oublié de le fermer. Et le cercueil d'Élisée n'a jamais été fermé. Et quand ils l'ont jeté, il a fallu une erreur de ceux qui le transportent et une erreur de ceux qui enterrent Élisée pour que ces os aillent toucher les os d'Élisée. Je me dis à quelqu'un, pendant que les gens pensent que c'est fini, Dieu va créer des erreurs dans le camp de tes ennemis pour que tu apparaisses comme Pérez. Dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. Je suis venu t'encourager, dis-lui, ce n'est pas fini. En Ézéchiel 37, on a dit que les ossements étaient desséchés et qu'ils ne pouvaient plus revivre. Mais ces ossements ont revécu. Ils sont revenus à la vie. Pourquoi? Parce que c'est que les gens ne savent pas. Il y a des gens, leur vie commence au palais, comme Nebuchadnezzar, pour finir dans la forêt. Et il y a des gens, leur vie commence dans les ossements desséchés, pour finir au palais. Je crois qu'il y a une brèche de Dieu qui est possible. Beaucoup de personnes pensaient que leur vie était conclue. Même l'apôtre Pierre. La Bible dit quand Jésus est venu le trouver, il lavait déjà ses filets. Quelqu'un qui lave les filets, ça veut dire la pêche est finie. Mais c'est en ce moment-là qu'une nouvelle pêche a commencé. Naomi a conclu sa vie en disant, appelez-moi Mara. Mara veut dire amère, parce qu'elle pensait que plus rien ne pouvait sortir de sa vie. Non, mais Dieu n'a pas fini. Il y a une autre qui s'appelait Mara. Mara veut dire Marie. Et de Marie est sorti le Messie. Dieu ne veut que tu ne conclues pas ta vie. Et tu ne donnes à personne le soin de dire que c'est fini. Même Jésus en a conclu sa vie. Quand vous lisez en Jean chapitre 20, les derniers versets, l'apôtre Jean dit, Jésus a fait plusieurs miracles qu'on ne peut les compter et les livres ne peuvent les contenir. Il a fini de dire ça et puis il a mis point. C'est la conclusion. Quand on dit telle personne a fait ceci, et puis on met un point. Jean chapitre 21, la Bible dit Jésus apparu encore au milieu d'eux. Après la conclusion, il est encore apparu. Personne ne va conclure ta destinée. Personne ne va conclure ta vie. Je vois Dieu faire une surprise avec toi. Je vois Dieu te faire apparaître dans ta famille. Je vois Dieu te faire apparaître dans ce lieu de travail. Je vois Dieu te faire apparaître dans ce ministère. Tu apparaîtras comme Pérez, comme une percée inattendue, comme une ouverture. Là où personne ne t'attendait, Dieu va t'imposer. Écoutez, il y a ceux que les hommes présentent et puis il y a ceux que Dieu introduit. Le père de David a présenté ses fils sans présenter David. Dieu a présenté David. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur va t'introduire dans une percée à laquelle tu ne t'attends pas. Parce que ta condition n'est pas ta conclusion. Je le crois. Mais pour que ça se fasse, j'ai des choses à te dire. La première chose que je vais te dire pour que ça se fasse, la sémence pour que tu te réalises, la sémence pour que tu deviennes grand, se trouve en toi-même. Si tu veux être élevé et être un homme de percée, n'attends pas le secours des autres. Crois en toi-même. Dans le livre de Juges, chapitre 12, verset 3. Juges 12, 3. Qu'est-ce qu'il dit? En Juges, chapitre 12, verset 3. On va aller vite. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie. Amen. Qui parle ici? Qui parle? Il dit, voyant que tu ne venais... C'est qui? Jephthé. Il dit, voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'attendais le secours, tu ne venais pas. J'ai pris ma destinée entre mes mains. Beaucoup de personnes disent que non, c'est la fille de Pharaon qui a sauvé Moïse. C'est faux. Non, c'est pas la fille de Pharaon qui a sauvé Moïse. La Bible dit que le berceau s'est bloqué. Elle a été bloquée par un roseau à l'endroit où la fille de Pharaon se lavait. Maintenant, je vous pose une question. Si Moïse était un bébé moins qui dort. Parce que ma Bible dit, la fille de Pharaon a entendu ses cris. Le petit a compris que c'est là qu'il faut crier ou jamais. Il a crié fort. Et la fille de Pharaon l'a entendu. Écoutez-moi bien. Une bouche fermée est égale à une destinée fermée. Si tu ne te lèves pas pour crier, si tu ne te lèves pas pour revendiquer, si tu ne te lèves pas pour dire moi, la chose n'arrivera pas. Amen. Non, écoutez-moi bien. Cessez de compter sur les autres. Tu comptes sur quelqu'un. Sa copine aussi compte sur lui. La maman de sa copine compte sur la copine. La chaîne est longue. Compte sur toi et compte sur Dieu. Sinon, les choses vont prendre du temps pour se réaliser. Jephthé a dit, j'attendais que vous veniez à mon secours. Mais voyant que personne ne vient, je me suis levé et j'ai pris ma destinée entre mes mains. Les gens provoquent leur miracle. Je peux vous choquer. Nous connaissons tous l'histoire de Anne et de Pénina. Pénina se moquait de Anne. Où ça? À la maison. Tellement Pénina s'est moquée de Anne. Anne a déserté la maison parce qu'elle ne pouvait plus prier à la maison. Parce que la Bible dit, Pénina lui prodiguait des mortifications. C'est le genre...
Vous savez, il y a un genre de personnes, quand ils se moquent de toi, on dirait tu vas mourir. Je ne sais pas s'il y a des éléments comme ça ici ce matin. C'est, ils ont un rire. Non. Donc, c'est comme ça qu'elle se moquait. Et c'était tellement dur que Anne a quitté la maison. Anne est allée au temple. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Elkana a enfanté 5 enfants à Pénina. Dans le lit d'Elkana, citez-moi un seul enfant de Pénina. Il n'y a personne qu'on connaît. Ils ne sont rien devenus. Ça veut dire que le lit d'Elkana est improductif. Ça, rien de bon ne sort de là. Donc plus elle se moquait de Anne, ça a poussé Anne à aller à l'hôtel. Il y a des enfants que tu ne recevras pas chez toi à la maison, mais à l'hôtel de Dieu. Ah! Dans la présence de Dieu, au contact de Dieu. C'est là qu'elle est venue prendre son bébé. Il faut que pour que les choses changent, tu cesses de dire c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. Prends ta destinée entre tes mains. C'est pas quelqu'un de dire que ta vie est vie. C'est pas quelqu'un de dire que c'est pas possible. C'est pas quelqu'un de dire que tu ne peux pas. Tu peux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Regardez Bartimée. Qui a rendu Bartimée aveugle? Le diable. Pourquoi? Parce que Bar signifie fils et Timée signifie l'honorable. Son papa est député, fils de l'honorable. Le diable l'a rendu aveugle. Mais le diable a commis une erreur. Les oreilles de Bartimée sont restées. Et sa langue est restée. Or, la foi vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Et puisqu'il a entendu que Jésus passe, il peut maintenant proclamer fils de Dieu. Je ne sais pas ce que le diable t'a pris, mais il t'a laissé tes oreilles, il t'a laissé ta langue pour que tu cries à Dieu, pour que le ciel se souvienne de toi. Ta destinée est entre tes mains. Personne ne peut conclure ta vie. Prends ta destinée entre tes mains. Deuxième, si tu veux que ta condition ne soit pas ta conclusion. Il ne faut pas vouloir changer d'endroit pour être béni. Ce n'est pas l'endroit qui est le problème. J'ai remarqué qu'avec Dieu, c'est l'endroit, c'est au même endroit où il t'élève. Je peux pousser un peu. Est-ce que ce n'est pas la même eau où Pierre n'a pas pris de poisson? Ce n'est pas la même eau où il a jeté le filet pour prendre les poissons? Répondez-moi. Est-ce que ce n'est pas la même eau où il s'enfonçait? Ce n'est pas la même eau sur laquelle il a marché pour retourner à la barque? Quand Jésus a guéri le paralytique, il lui a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Pourquoi? Il pouvait dire, prendre ton lit simplement. Mais la maladie de cet homme a commencé à la maison. Et on l'a amené à la piscine de Bethesda. Donc si tu es guéri, prends le lit. Retourne à la maison pour que ceux qui ont vu le début de la maladie voient ta guérison. Alléluia. Donc le problème, c'est pas de changer d'endroit. Le problème, c'est de croire que Dieu peut t'élever là même où les gens t'ont humilié. Sinon, tu seras en train de courir d'endroit en endroit. Le même tombeau, la Bible dit Pierre et Jean ont vu des bandes dans le même tombeau. Le même tombeau, Marie a regardé dedans, elle a vu deux anges. D'autres ont vu des déchets mortuaires, une autre a vu des anges. Le même tombeau. Ne cherchez pas à dire non, non. Écoutez, Dieu veut parfois que tu traverses des choses que des gens rient pour que ces mêmes personnes soient témoins de son miracle dans ta vie. Et je prophétise que ce soit ton cas après aujourd'hui. Je prophétise que ce soit ce qui t'arrive. Si tu dis amen, tu reçois cela bien. Dis à quelqu'un, ne change pas de lieu. La même ville où le fou de Gadara a été humilié, c'est dans la même ville que Dieu l'a guéri. Troisième élément, pour que ta condition n'influence pas ta conclusion. Troisième élément, ne t'attends pas à ce que Dieu te visite comme l'autre. Notre problème, c'est que nous demandons des choses à Dieu. Et en même temps que nous demandons des choses à Dieu, nous avons un tableau de la façon dont Dieu doit nous donner ces choses. C'est comme une femme qui demande un portable, le dernier iPhone à un homme. Et dans sa tête, il doit être dans un cadeau emballé. Le monsieur doit venir se mettre à genoux pour offrir. Même si le portable vient dans une pirogue, c'est le portable ou c'est pas ça. Donc, on ne peut pas s'attendre à Dieu et imposer à Dieu la façon dont on doit recevoir. C'est ce qui a failli faire que Naaman passe à côté de son miracle. Il dit, je croyais qu'il sortirait, qu'il viendrait à ma rencontre, qu'il prierait ainsi ou cela. On dit, va te laver. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il croyait. Mais c'est dans ça que Dieu l'a béni. Tu parles à quelqu'un? Vous savez, on peut avoir le même problème, mais différentes façons dont Dieu va régler cela. Je peux vous choquer? Quand Moïse a eu affaire à l'eau, Dieu a fait quoi? Il a divisé l'eau et le peuple est passé. Ça, c'était Moïse. Quand Josué a eu affaire à l'eau, Dieu n'a pas divisé. Dieu dit, mettez vos pieds dans l'eau. L'eau va sécher. Ça, c'est Josué. Et après, quand Élisée a eu affaire à l'eau, il a roulé un manteau, il a frappé l'eau. L'eau s'est divisée. Quand Jésus a eu affaire à l'eau, il a marché sur l'eau. C'est la même eau, mais différentes façons d'opérer. On peut avoir le même problème, mais Dieu peut agir de différentes manières.
l'une des choses qui te fatigue, tu t'attends à ce que Dieu intervienne comme il est intervenu pour l'autre. Et c'est ce qui crée le problème. Non, il est souverain. Si tu prends Samson, tu lui demandes qu'est-ce qu'on fait d'un lion. Il va te dire on doit le déchirer comme un chevreau. Si tu prends Daniel, tu lui demandes qu'est-ce qu'on fait d'un lion. Il va te dire les lions sont inoffensifs parce que dans la force au lion, on ne lui a rien fait. Si tu demandes à Jésus qu'est-ce qu'on fait d'un lion, il va dire faut devenir un lion parce que je suis le lion de la tribu de Juda. C'est le même lion, mais différentes façons de voir. Si tu prends le feu et tu demandes à Élie, il va te dire faut faire tomber le feu du ciel. Mais si tu demandes à Shadrach, Meshach et Abednego, il va dire on peut rester dans le feu sans brûler. C'est le même feu, la même eau, mais le même lion, mais différentes façons d'opérer. L'une des choses qui retarde votre bénédiction, vous vous attendez à ce que Dieu opère comme il a opéré chez l'autre. Non. Dieu opère selon l'objectif qu'il veut atteindre avec chacun. Il y a des gens, il fait durer parce que ce qu'il va faire avec eux est encore plus grand. Et puis il y a d'autres, la chose vient vite. Si tu veux que ta vie n'ait pas la conclusion que les gens te donnent, laisse Dieu traiter avec toi comme il a prévu traiter. Ce qui est intéressant chez Dieu, c'est que tu peux ne pas le comprendre, mais il sait où il va. Yes. Dieu va toujours te montrer où il t'amène, mais il ne va jamais te montrer par où on passe pour aller là-bas. Parce que si Joseph savait qu'on devait le vendre, il devait aller faire 2 ans en prison, il n'allait pas être fier du songe qu'il a eu. C'est du problème que sort le témoignage. C'est du caillou qu'est sorti l'eau. Et c'est du lion qu'est sorti le miel. Qui pouvait penser que du ventre d'un lion mort pouvait sortir du miel? Normalement, il doit sortir des asticots, des vers, des mouches. Mais c'est de là-bas qu'est sorti le miel. Donc, tu ne sais pas où ta bénédiction est. Laisse Dieu opérer. Si tu vas voir que si tu ne te fatigues pas pour prendre le volant de ta vie et que tu acceptes d'être le passager et laisser à Dieu la place du chauffeur, les choses vont aller calmement et bien. Alléluia. Ton problème, c'est que tu mets Dieu sur la banquette arrière et tu veux conduire. Maintenant, quand il y a un feu ou bien des panneaux que tu ne comprends pas, tu lui demandes, Seigneur, on y va ou on ne va pas. Mais lui aussi, il te dit, continue de conduire, tu as le volant. C'est ce qui crée le problème. La manière appartient à Dieu. L'avant-dernier point que je vais toucher, c'est que si tu veux que Dieu change ta condition, afin que ta condition ne soit pas ta conclusion, ou bien la conclusion des hommes ne soit pas ta condition, il est important que tu comprennes que le système de Dieu, c'est je te bénis et je fais de toi une source de bénédiction. Donc, le système de Dieu, c'est béni pour bénir. Il y a des dimensions dans lesquelles tu n'entreras jamais si tu n'es pas une bénédiction pour les autres. Je peux vous dire quelque chose. Beaucoup de prédicateurs prêchent et ils disent que Joseph a rêvé et les rêves ont changé la vie de Joseph. Aucun rêve n'a changé la vie de Joseph. Lisez bien vos Bibles. Tous les rêves qu'il a fait n'ont rien apporté. C'est quand il a interprété le rêve de Pharaon que lui, son rêve s'est accompli. Alléluia. Donc c'est dans l'interprétation du rêve des autres que Dieu accomplit ton rêve. Alléluia. Dieu t'a amené dans une église où l'homme de Dieu a une vision. Interprète sa vision. Et pendant que tu interprètes sa vision, Dieu interprète toi ton rêve. C'est comme ça que ça se passe. Oui, tu interprètes la vision de l'homme de Dieu. Et pendant que tu interprètes sa vision, Dieu interprète ton rêve. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Sinon, tous les rêves qu'il a fait là, rien ne s'est accompli. C'est le jour où il a interprété le rêve de Pharaon qu'on a interprété lui son rêve. C'est ce que Anne a compris. Anne est là toujours elle pleure. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Dieu regarde Anne. Tu sais combien de personnes tu veux un enfant? Tu sais combien de personnes tu veux un enfant? En fait, Dieu avait un problème. Élie le sacrificateur est devenu vieux et ses enfants sont devenus des voleurs. On dit les sacrifices qu'on doit donner à l'Éternel, eux ils piquent dans la marmite. Ils enlèvent les gigots, ils mangent. Donc Dieu même est fâché contre Élie, contre ses fils. Il cherche qui va faire le boulot à leur place, des mangeurs de choubouya. Donc Anne s'est arrêtée un moment. Elle a dit, je vais cesser de parler et comprendre quel est le problème de Dieu. Et quand elle a compris que Dieu voulait un sacrificateur, elle a dit à Dieu, j'ai quelque chose de nouveau à te dire. C'est plus affaire de donner un enfant. Mais si tu me prêtes un fils, je te le redonne pour qu'il serve aux besoins que tu attends. Écoutez-moi bien, est-ce que vous savez que pendant que Péninde avait 5 enfants,
Anne n'avait rien. 5 à 0. Mais dès que Anne a perçu quel est le besoin de Dieu, elle a eu Samuel. Est-ce que vous savez que après Samuel, elle a eu 5 autres enfants? Donc ça fait 6 à 5 remontadas spirituelles. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que tu aies une grosse voiture, ou bien que tu aies un compte bancaire, ou bien pour que tu te maries. Les païens même là, ils jeûnent pas, ils prient pas, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Le Seigneur dit que tout disciple accompli doit être comme son maître. Donc nous devons chercher à ressembler à Christ. Nous devons chercher les intérêts de Christ. Donc je veux travailler, mais pour que mon travail participe au royaume. Je veux me marier pour que mon mariage donne de l'espoir à ceux qui n'avaient pas de l'espoir. Je veux faire telle chose. Dans tout ce que je veux faire, on doit retrouver l'intérêt de Christ. Vous pouvez avoir votre rêve, mais ça passe par l'accomplissement du rêve de Christ. Ça passe par l'accomplissement du rêve de votre Père. Mais écoutez, quand David dit, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel, je vous pose la question. C'est possible que quelqu'un habite tous les jours dans la maison de l'Éternel? Il se lave où? Dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de douche dedans. C'est dans le temple. Il se lave où? Il fait ses besoins où? Mais quand David dit, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel, vous savez ce qu'il veut dire? Si je me lève et que j'achète ce micro, pendant que je vais à la maison, ce micro me représente dans la maison de l'Éternel. Dieu considère que je suis toujours présent. C'est pourquoi dans le temple de l'Éternel, à l'époque ancienne, il y avait deux piliers. On appelait un Jakin et Boaz. C'est le nom des personnes. Ça veut dire, au moment où on construisait, et quand on est arrivé sur ces piliers, Jakin a dit, moi je prends un pilier. Boaz a dit, moi je prends l'autre pilier. Donc Jakin et Boaz, pendant que tout le monde rentrait chez eux, eux ils demeuraient toujours dans le temple. Parce qu'il y a dans le temple des choses qui portaient leur nom. Je suis venu ici pour dire à quelqu'un que Dieu veut lui donner une condition honorable. Il y a des gens qui t'ont placé quelque part et ils sont sûrs de te trouver là-bas en 2025. Mais la Bible dit, quand ils sont venus à la porte du temple appelée la Belle, le paralytique qu'ils avaient l'habitude de placer là n'était plus là. Et il est entré dans le temple. Tu entreras dans ta destinée. Tu entreras dans le plan de Dieu pour toi. Tu entreras dans la révélation de Dieu pour toi. Si c'est de toi que j'ai parlé, lève-toi, dis amen fort. Et la chose est accomplie. Nous allons prier pour dire, Seigneur, nous refusons cette condition, cette conclusion que l'ennemi veut poser sur notre vie, cette situation dans laquelle il veut nous maintenir. Nous croyons que tu peux changer cette condition. Tu l'as fait pour toutes ces personnes que le prophète a citées, Bartimée, Jephté, tu l'as fait pour toutes ces personnes. Change ma condition, change ma vie. Vas-y, ouvre la bouche et commence à parler à ton Dieu. Ouvre la bouche et commence à parler à ton Dieu. Quelque chose va se passer tout à l'heure.